Salut. Alors aujourd'hui, on va vous montrer l'aménagement qu'on a choisi pour notre petite maison. On va vous montrer ça en 3D sur SketchUp. Donc voilà le modèle 3D de notre maison, vu de l'extérieur. Et on va essayer de regarder ensemble comment on a aménagé ce petit espace. La maison fait 4 mètres par 8. Donc à l'intérieur, on va avoir un premier étage et en haut, une mezzanine qui fera à peu près 4 mètres par 4 mètres. On va avoir une petite pièce qui sera dédiée à la salle de bain où on aura juste le strict nécessaire, donc des toilettes et une douche. Et puis à côté, on a un local technique et le tout fait 4 mètres par 1 mètre 10. Dans le local technique, on va avoir tout ce qui est électricité, le chauffe-eau, la gestion de la VMC, l'arrivée des viabilisations, etc. Et puis ça servira de placard à balai aussi. Ensuite, on a la cuisine, donc qui fait à peu près 3 mètres par 3 mètres. Donc on a prévu un évier, un coin pour chauffer, le frigo et voilà tout ce qu'on peut avoir besoin. Il y a une fenêtre qui donne directement sur la cuisine pour apporter la lumière et pouvoir ouvrir pour les odeurs quand on fait cuire ou autre. Donc à cet endroit, la hauteur sous plafond est de 2,50 m, donc comme dans une maison classique. Donc on a essayé de mettre tous les points d'eau au même endroit pour faciliter la gestion des canalisations. Donc on a la salle de bain et la cuisine qui est du côté ouest. Ensuite, on va avoir un escalier qui permet de monter jusqu'à la mezzanine, jusqu'à la chambre. Là, on l'a représenté comme ça, mais on va certainement le faire plus raide pour gagner de la place. Et en dessous, on va l'aménager avec des placards. Ensuite, de l'autre côté, on a la partie bureau, donc avec un grand bureau pour qu'on puisse travailler tous les deux. Au-dessus, on a une grande étagère avec plein de livres, parce qu'on adore les livres, qu'on en a plein. Donc le seul problème qu'on a là, c'est qu'on ne sait pas encore comment accéder à cette partie. Donc si vous avez des idées, un système d'échelle ou autre, assez pratique pour pouvoir monter de temps en temps, récupérer des livres, ça pourrait être sympa. On a aussi donc un poêle à bois au milieu de cette partie pour chauffer, qui servira à chauffer toute la maison. Et une petite table qui servira pour manger. Et on a une grande baie vitrée pour apporter beaucoup de lumière. Donc toutes nos ouvertures sont au sud. Donc voilà, on a une fenêtre dans la cuisine, une grande baie vitrée, une grande fenêtre vers la mezzanine, vers la chambre, et deux petites fenêtres pour apporter de la lumière. Et enfin, donc dernière pièce de la maison, c'est la chambre. Donc un peu basse sous plafond, on a 2,30 m au plus haut et 1,20 m au plus bas. Donc on a juste le lit parce que ça ne sera pas une pièce où on va vivre. Nous, on sera plutôt dans la partie ici avec une belle hauteur sous plafond de 5 mètres et quelques. Et on a juste des placards qui servent aussi de rambarde pour éviter de basculer de la mezzanine, mais sans que ça nous coupe complètement l'espace. Alors maintenant, au niveau la vue coupée de toute la maison, avec les différents espaces. Donc voilà, on se rend un peu compte de ce que ça va donner, et c'est assez excitant d'avoir fait le modèle 3D. Et donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire vos impressions sur notre petit aménagement. Et si vous avez des conseils à nous donner, on est preneurs. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram et vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre la construction de notre petite maison. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode où là on vous montrera en détail la structure, comment on l'a choisie, sur quoi ça va reposer, comment techniquement c'est fait. À bientôt les pingouins. À bientôt.